Le prince Harry et Meghan Markle ont le palais effrayé à la perspective d'une autre interview des OPRH Winfrey, a affirmé un expert royal. L'auteur royal Duncan Larcombe a affirmé que Buckingham Palace ne publiait pas les conclusions d'une enquête sur des allégations des intimidations par le personnel royal contre la duchesse de Sussex en raison des craintes d'une deuxième interview télévisée. Monsieur Larcombe a déclaré que l'enquête rendue publique pourrait inciter Harry et Meghan, qui vivent en Californie après avoir quitté leur fonction royale, à jouer la victime. Et à causer un autre monde de douleur, le biographe royal a déclaré à The Royal Beat de True Royalty TV, je pense que la raison pour laquelle il ne publie rien de tout cela est que le palais a peur du duc et de la duchesse de Sussex. Je pense qu'ils savent que s'ils publient le rapport, la prochaine chose qui se produira potentiellement est que Harry et Meghan joueront la victime et continueront sur Oprah et causeront un autre monde de douleur. Les commentaires de Monsieur Larcombe interviennent après que Harry et Meghan ont suscité des spéculations sur une nouvelle interview des OPRH lorsque ils ont été aperçus en train de se rendre chez elle. Les Sussex ont été photographiés en train de se rendre au domicile de Montecito, l'animateur américain du talk show, le mois dernier. Cela vient après que le couple se soit assis avec Oprah en mars 2021 pour leur interview explosive. La conversation explosive a vu Harry et Meghan faire une série de déclarations sur la monarchie. Ils ont accusé un royal anonyme, pas la reine ou le prince Philippe, d'avoir fait un commentaire raciste à propos de leur fils Archie. Meghan a affirmé que Kate l'avait fait pleurer avant son mariage royal, à la suite de rapports précédents, c'était l'inverse. Thank you.